montrer plus futé si tu veux m'attraper. J'aurais dû attendre un peu avant de fanfaronner. Tu ne peux plus grimper plus haut, fils stupide de Primus. On dirait que tu es dans de vilains draps, mon garçon. Oui, et je me demande bien par la faute de qui, hein? Si tu veux te venger de Bloss, tu n'as qu'à m'aider à prendre la fuite. Il s'enfuit, envoyez-leur les dragons. Ramenez-moi la tête de ce misérable trait de poisson sard. Je te dois la vie, Nidler. Crois bien que je t'en remercie de tout cœur. Car tes remerciements, je ne t'ai secouru que dans l'espoir que tu me trouverais à manger. Ce n'est pas le moment de penser à ça. L'avenir d'Octopon se trouve entre mes mains, figure-toi. C'est curieux, ça, mais j'ai de moins en moins de force dans les serres. Entendu, entendu. Je sais où tu pourras trouver de quoi te nourrir. À l'abbaye de Galdabar. Galdabar, dis-tu? Mais c'est pas très appétissant comme nom. C'est ça ton restaurant? Je crois que oui. J'espère que tu as raison, j'ai l'estomac qui crie famine. Cet endroit est abandonné? Dis donc toi, mon gaillard, tu m'as menti. Qui ose pénétrer ainsi dans l'abbaye de Galdabar? Que de malheureux voyageurs affamés. Chut! Je m'appelle Ran, je suis le fils du roi Primus. Très bonne trouvaille, on va nous traiter comme des princes. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en ces lieux? J'ai obéi à la volonté de mon père. Qu'est-ce que vous recherchez au juste? Vous, Alomar. Mensonge! Oh, mauvaise réponse! Je ne suis pas Alomar, mais je vais te conduire à lui. Oh, chic, alors on va peut-être pouvoir enfin manger. Cœur des ténèbres à la pleine lumière, cette boussole te servira désormais de guide infaillible. Alomar est là, il attend son visiteur. Ah, quel genre d'homme peut bien vivre dans un tel bourbier? Il doit avoir un humour voiseux. Alomar! Ouais! Alomar, je vous en prie, rappelez votre bestiole! Alomar, c'est moi, mon jeune ami! Vous? Je m'attendais à voir un... Un humain, c'est cela! Il te reste encore beaucoup de choses à apprendre, fils de Primus! Il n'y a pas que les humains qui se voient confier la destinée de ce monde! Je ne suis encore qu'un ignorant et je vous prie de m'en excuser. Je connais l'existence des 13 pierres de la loi. Mais comment puis-je les trouver? Et ensuite, que suis-je censé en faire? Tout ceci te sera révélé!